Kebab. Encore? Bah, y'a que ça dans le coin de toute façon. Oh, vous faites chier à fumer. Ah bah vous me faites chier avec vos kebabs. Oui, tiens, on parle encore de vous dans le journal. J'avais envie de faire un film sur un bloody movie, enfin sur deux types qui se rencontrent un peu par hasard et qui vont essayer de forger un semblant d'amitié. Après, ce qui s'est organisé autour, c'était un truc de scénario. Donc je ne suis pas du tout parti de l'affaire Bettencourt ou Clairstream ou quoi que ce soit. Je suis plutôt parti de l'envie de faire un film sur deux types qui essayent de devenir amis. En tout cas, ils vont être forcés de cohabiter ensemble. Vous faites quoi là? Vous orientez l'assaut? Ça, c'est un souvenir de Biarritz du tennis club. Je l'ai piqué lors d'un stage. Le point de départ initial, c'est la fin du film Les Affranchis, en fait. De Scorsese, puisque je crois qu'à la fin du film, on voit le personnage principal, Ray Liotta, qui se retrouve témoin sous protection, voilà, et on se dit que sa vie va être terrible parce qu'il sera témoin sous protection toute sa vie, jusqu'à ce qu'il se fasse peut-être buter. Et ça, c'était le point de départ du scénario, en me disant, tiens, ça va être marrant d'avoir un témoin sous protection et son protecteur, qui s'avère être un type pas très efficace, pas très professionnel, et c'était autour de ça que je voulais organiser le récit, plutôt. Ok, on se casse. Okay. Faut qu'on se tire. Par la fenêtre. Hein? La fenêtre. Fenêtre. Calmez-vous. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle ma sœur. Ça se veut être une comédie. Oui, c'est à peu près une comédie. Non, c'est pas une parodie film de genre du tout. Enfin, pour moi, c'est pas du tout parodique. Je voulais vraiment raconter l'histoire de deux types qui se découvrent sur un versant plus ou moins comique, mais pour moi, c'est pas une parodie. Je fais plus la bise. Ça force, sinon. Jean, Margaret. Vous êtes recherché pour meurtre, c'est ça? Ah non, pas du tout. Enfin bref, vous devez vous planquer, quoi. Gilles Cohen, j'avais déjà bossé avec lui sur le film que j'avais fait donc à la Fémis. Et j'ai assez vite pensé à lui, parce que je trouvais qu'il avait le potentiel pour être ce type un peu lourd, mais aussi touchant. Et j'avais l'impression qu'au cinéma, on ne l'avait pas forcément vu sous cet aspect-là. Enfin, souvent, il joue des personnages assez durs, assez intenses. Et j'avais envie d'aller vers un truc de légèreté avec lui. Et l'autre, Alexandre Steiger, sans réfléchissant à des possibles comédiens, j'ai pensé à lui. Et puis quand j'ai rencontré, ça m'a paru évident que ça devait être lui. Voilà, il y a un truc qui se passait, je trouvais. Jean, je déteste cette tenue. Par contre, j'adore le marcassin. Vous avez déjà tué un être vivant? Il y avait une part personnelle qui n'y est plus, qui est tombé au montage parce que c'était pas très bien mis en scène, parce que il y a un truc qui s'était pas fait, donc il y avait un petit pan du film qui n'est pas dans le film, qui était vraiment personnel. Pour le reste, pas vraiment, même si on me dit que le personnage joué par Claude Perron ressemble pas mal à ma mère. Voilà, ce qui est un peu inquiétant, je pense.